bonjour à toutes et à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo exploration urbaine. Ça fait un moment que je voulais venir dans ce lieu que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. C'est un sacré bordel. Je pense que je vais grave galérer à passer. Surtout que le bras articulé. Bon, là, on va déjà commencer la visite. On va commencer par en bas. Tant que je suis pas trop stressé, on va commencer par en bas. Ça m'a l'air bien calme déjà pour commencer. Ça m'a l'air calme. On va mettre quand même une petite loupiote, si vous me le permettez. Oh putain, des patins à glace. Ouais, donc du coup, on croirait pas comme ça au premier abord, mais pour ceux qui le connaissent, c'est un endroit qui est agréablement, qui est même surprenant, assez bien conservé. Et pour préserver au maximum sa conservation, je sais pas si ça se dit, si je pense que ça se dit, ça fait un peu flipper ça. Du coup, j'ai pas montré l'accès au bâtiment, je donnerai aucune information sur l'emplacement du lieu ou même la région dans laquelle il se trouve. Je pense que je vais arrêter ça reflète dans la caméra. Déjà ici, ça fait quand même assez flipper comme ambiance, comme lieu. C'est incroyable tout ce qui peut rester, quoi. Ça se demandait si le lieu est encore abandonné, sérieux. Regardez-moi ça. Ça, c'est incroyable ce qu'il y a, quoi. Oh, c'est incroyable. J'entends les gouttes de l'extérieur. Parce qu'il fait une fois de plus un temps de merde, j'ai pas de chance, moi. À chaque fois que je pars en exploration, il fait toujours des temps. Pas possible. T'as le bordel, il y a quoi. Non. Chuge, Warzat. Putain, il y a des vélos pleins. Avec la face cam, j'ai du mal de passer. Putain, puis là, je vais tomber sur du monde en haut. Avec des gosses, c'est pas possible, bordel. Non. Putain, c'est la folie. Je pense que je risque de jurer une paire de fois dans cette petite vidéo. Bon, écoutez, moi ce que je vous propose tout de suite, c'est de monter déjà, dans un premier temps, et d'aller découvrir un petit peu plus haut. Par contre, là, je vais galérer à passer. Qu'est-ce que c'est ici? Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est dingue comme tout a été stocké, vraiment. On a un beau miroir. Putain, c'est un truc de dingue, ouais, ça. C'est vraiment se demander si ça a été abandonné ou pas, quoi. Voilà. Oh putain, ouais, cette pièce, bordel de merde. Oh putain. Oh, c'est cette pièce qui m'a fait rêver. Oh, quand j'ai vu les photos, putain, c'est incroyable, quoi. Putain, regarde-moi ça. Oh putain, regardez-moi ça. C'est de la folie, quoi. Vous pensez que c'était peut-être des gens qui... Des anciens propriétaires ou des gens qui faisaient partie du... Peut-être des personnes qui faisaient partie de... Pas de la maison, je sais pas. Il y a de fortes chances. Buongiorno. Donne une master clé, petite biche. Oh putain, c'est quand même un truc de fou, c'est magnifique. C'est magnifique, t'as ce piano, ma gueule. Oh là là, putain, 18 mm, l'angle est un peu serré, hein, fait chier. Oh putain, c'est un truc de fou.
tableau. Mais par contre, quand on voit la différence avec les pièces d'à côté, c'est qu'il y a un bordel monstre. Et je peux pas y accéder avec le bras articulé, mais même sans le bras articulé, c'est impossible d'y accéder, quoi. Des tapis, c'est incroyable ce qu'il peut y avoir, quoi. Il me semble que c'est la pièce la plus majestueuse. Du coup, j'aurais peut-être presque dû terminer par celle-là que de commencer ici. Ce que le reste va pas nous décevoir. Je pense qu'on a encore des belles surprises à avoir, mais oh, c'est quand même dingue, quoi. Oh, c'est quand même de la folie de pouvoir voir. C'est magnifique, c'est quand même un tout. Ça fait quand même un peu bader, ça. Ça fait quand même bader avec la poupée dedans, là. C'est abusé. Et ça me fait grave penser au. Au Lando qu'il y a dans le film. C'est dans Annabelle 1, je crois. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous y regardez, sinon j'essaierai de vous mettre un petit passage. Je sais pas si je vais ça deux fois en exploration, sérieux. Ça devient tellement rare de trouver des lieux si bien conservés. Bon bah allez, on va aller voir à côté. Effectivement, c'est dingue le contraste qu'il peut y avoir. Là-haut. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou, putain, le bordel. Mais tu te demandes déjà, même rangé, tu te demandes comment ça pouvait... Et là, on a la petite cuisine. La petite cuisine, pas piquer les verres. Pas piquer des verres du tout. Ah bah voilà l'escalier, monsieur dame. Les blagues. Dis-moi ça, le bordel. C'est abusé. C'est juste abusé, là on a un luminaire de ouf. C'est dingue, regardez-moi ça. Comme tout a été bourré. Là on a des armoires de ouf. Des mastocs, des coffres mastocs. Il y a les cartons, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça fout là, j'ai une pile de cartons là. Oh, il y a encore un piano là. Putain, ça fait deux pianos. Oh putain, celui-là il est magnifique. Putain. Ah, et du coup, ça nous ramène dans la pièce de tout à l'heure. Là, il va falloir que j'escalade. J'ai pas pété la gueule. Ah, c'est bon. C'est abusé les amis. Regardez-moi ce piano de ouf quoi. Là on a une petite cheminée qui n'est pas piquée des verres. Là on a encore une petite photo. Là, c'était des musiciens ici, non? Ou quoi? T'as les tapis. Hein? Les tapis. C'est abusé quoi. Et on va essayer de repasser sans se manger, c'est bon, c'est chose faite. Oh putain, le bordel. Mais ce piano blanc, putain, magnifique, 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 ma chérie. Ouf, putain, coffre-fort. Oula, coffre-fort. Oh, puis il est ouvert, ça met la rompse. T'es mal au truc. Bon bah il reste pas de lingots. Il reste pas de lingots dedans. Bon alors on va essayer de monter à l'étage. Ah, donc là on est au premier étage. Oh, on a une chambre. Oh, wow putain. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Aïe aïe aïe. Bon, par contre, le drap de lit là me fait un peu penser au drap mortuaire dans les cercueils. Waouh putain. Oh la chambre. Oh, c'est d'une beauté sans pareil. Regardez-moi ça, putain. Je peux pas vous faire profiter pleinement avec le 18 de merde.
Une deuxième chambre. Les rideaux de toute beauté. On a un beau vinyle. Stéréo, putain. Ça me fait quand même grave chelou de voir des effets personnels comme ça. Enfin, tu t'imagines le... C'est peut-être une chambre de gosse ici, je pense. Le gamin dans son lit, là. Peut-être qu'il est mort aujourd'hui. Voilà, ça veut rien dire, j'en sais rien. Lecteur de cassette audio. Oh, ce chapeau, mais hé, je suis sûr que vous avez tous eu la même pensée que moi, c'est pas possible. On dirait un petit peu. Je suis Sancho de la Cuba, la coqueluche de tous les voisins. Ceux qui regardent The Mask, ils vont tout de suite comprendre. Le film The Mask, ils regarderaient le passage où. Ou Jim Carrey a ses chapeaux sur la tête. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. En joie des maracas, je fais tic de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout redevient tic tic et boum, tic tic et boum. Tout est écrit en allemand dans les bouquins, les journaux que j'ai pu trouver. Ah putain. Oh, cette chambre, malheureux. Cette chambre. Voilà, on a des maxi coussins. On a un téléphone. Oh putain, ça grince. J'aime pas quand ça grince comme ça. Oh ouais. Oh putain, comment ça m'avait flippé. Oh, c'est quoi cette tenue, quoi. Oh putain. Ah, oh, c'est quand même magnifique. Allez, oh. Oh. Mademoiselle, elle a oublié quelque chose. C'était la chambre d'une jeune fille. De toute façon, généralement, enfin, rose comme ça. Oh, c'est déglingue, putain. Regardez-moi ça. La comédie de la merde. Regardez-moi le lit. Toute beauté que les roses. Regardez-moi cet état de conservation. Et là, on avait la petite salle d'eau de la demoiselle. Oh oui. Salle d'eau. La salle de bain pour. Putain, même chez moi, j'en ai pas une aussi belle que ça. C'est quoi ce gros coquillage? Oh, c'est un truc de fou. Un truc de ouf. Putain, c'est. Comment c'est grave beau, quoi. Oh là 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 là, c'est d'une beauté sans pareil. Le petit miroir. Oh, c'est trop beau. Oh là 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 là, putain, si j'avais 10 mm là, on aurait un angle de catin. Oh, c'est abusé, cette table de bain. Oh purée, du coup, je suis en train de me demander si c'était la chambre d'une jeune fille, peut-être une suite parentale, on sait rien, mais bon. Mais c'est pour ça que c'est la chambre d'une jeune fille, déjà c'est la couleur rose et puis cette espèce de... Non, en fait c'est pas, je crois que c'était... Non, c'est un genre de peignoir. Ouais. Oh, t'as les boules. Mais c'est quand même incroyable le bordel qu'il y a partout. Voilà, on a une salle qui était... qui a commencé à être en réparation. Ouais, une salle qui devait être en réparation avant que tout parte à l'abandon. Il y a d'un côté tous les fringles. Encore une belle petite salle d'eau. Bon, qui est quand même moins luxe que tout à l'heure. Et on a la hauteur de la douche. Vous vous rendrez pas compte, mais ça arrive entre la moitié de mon mollet et au niveau du genou, quoi. C'est abusé. Quand il fallait grimper là-dedans, t'as pas intérêt d'être vieux, je te le dis direct. Direct. Ce magnifique étage, un chiotte de toute beauté. On va aller au dernier étage, le deuxième.
Waouh. Oh putain, ouais. J'avais pas du tout vu celle-là sur... sur internet, j'avais jamais vu la photo de cette chambre. Waouh. Oh ouais, ça fait placard Harry Potter. Sous l'escalier, ouais, c'est exactement le placard sous l'escalier. Oh, en fait, ils avaient tous une petite salle d'eau pas piquée des verres dans leur... dans leur chambre, et du coup... Oh, je suis obligé de marcher sur les fringues. Ah ouais, avec la douche aussi, ouais, donc du coup, en fait, je pense que la grosse salle de bain qu'on a vue en bas... Enfin, au premier étage, c'est la salle de bain principale, je pense. C'est vrai que t'es dans la chambre, certainement des parents. Mais j'avais pas vu cette chambre sur internet. Je ne l'avais jamais vue. Il y a de la buée sur la fenêtre. J'ai entendu du bruit comme un grincement de porte qui est assez identique à celui de la porte en bois que j'ai ouvert pour accéder ici. En vrac. Oh putain, avec le maxi de raquipant là, genre une robe. Genre il y a un cadavre au-dessus. Oh putain, je pense qu'on va y aller les amis là-haut. Oh putain. Tout à l'heure, on est enfermé dans une maxi pièce blanche. Là pour être blanc, c'est blanc. Y a rien, allez. Ça me fout des frissons de passer là, c'est abusé. Putain, c'est abusé quoi. Tu te demandes, bah, quand tu trouves des lieux comme ça abandonnés, tu te demandes pourquoi qu'il est abandonné. Elle est belle celle-là. En saumon comme ça, couleur saumon. Couleur saumon comme ça, c'est quand même pas piqué des verres. Putain, c'est abusé. C'est abusé quoi. Puis là t'avais vu directement sur la nature, avec un petit parc. Pas piqué des verres, ou des hannetons comme vous voulez. Là, on a une petite salle de bain encore. Une petite salle de bain. Il n'y a plus de PQ par contre. Putain, franchement, je sais pas si je referai un lieu aussi bien conservé de ma vie. C'est presque abusé quoi. Je sais pas combien de chambres il y avait ici, mais. Encore une. La tête de lit est vraiment pas mal. C'est vraiment stylé. On dirait de la soie. Là, on a pas mal de canapes. De petits fauteuils. Là, on a pas mal de photos. La petite salle d'eau. C'est vraiment ouf. Ça, c'est le plus bel urbex que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est incroyable. Ça te procure des... Je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais ça me procure des sensations de venir dans ce genre d'endroit. Surtout avec... Il y a encore autant de bordel dedans et tout quoi, c'est incroyable. On a une paire de cassettes. La tapisserie qui commence à se décoller et puis qui pique, qui moisit quand même. Là, on a encore une petite salle d'eau. Oh, ça sent le vieux ici. Oh, ça sent le vieux ici. On a du PQ par contre ici. C'est par contre du PQ. Hein. Oh, on a encore une salle de barge là. Oh, encore une salle de bargeau ici. Oh, regardez-moi cette chambre.
Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Comment on fait pour dormir là-dessus? Bon, là, c'est le lit double. Mais si jamais il y a un problème, tu sais pas. Hein. C'est abusé. Je suis désolé si la facecam c'est un coup en bas, un coup en haut. Je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo. On a quand même une petite salle d'eau. Oh là 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 là, le petit, c'est quoi le petit coupon? Qu'est-ce que c'est de ça? Les petits ustensiles de beauté. Regardez avec le magnifique petit terrain. Oui, c'est étroit, il n'y a pas grand-chose, mais... Oh, c'est d'une beauté. Allez, bonne soirée. Merci, bonne soirée. À bientôt. Une espèce de grand... Un peu trop produit, un petit aspirateur pour piquer l'éveil. Une petite salle d'eau encore, je ne sais pas. Un petit toilette. Je commence à avoir mal à l'épaule. Bon, alors si la face cam, c'est un coup comme ça, un coup comme ça, un coup en haut, un coup en bas. Parce que je vous montrerai en sortant, j'ai pété le bras articulé. Je sais pas, on verra pas, je suis trop près là, mais j'ai le bras articulé qui s'est pété en deux, en plein milieu de visite. Il était déjà fragile et ce con a lâché. Et du coup, je suis en train de le tenir, il y a une poignée heureusement. Et j'ai mal à l'épaule, je suis en train de tenir le bras articulé. Pour que vous puissiez avoir des images à peu près potables. Alors, un petit coup. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Je ne sais que vous dire, les amis. Par contre, je ne sais pas si j'ai les couilles de... C'est abusé. Le moindre truc me fout les boules ici. Je vais pas se retrier, ça me fait penser un peu au cave au grenier dans les films Sinister et tout ça quoi. Bon après y a rien de space hein, mais c'est vide. Parons-nous. Au revoir, monsieur, dame. Au revoir. Bon ben voilà mes amis, c'est la fin de cette petite vidéo. On a fait le tour de cet édifice exceptionnel. Je vais vous faire la fin de la vidéo dans la salle. Dans la salle qui me... Oh, oh punaise. Et voilà mes amis, je vous laisse sur ces dernières images magnifiques pour ceux qui n'ont pas vu. Désolé hein, pour ceux qui auraient voulu avoir des petits indices sur le lieu et puis qui n'en auront pas avec ma vidéo. Ça me fait tellement de la peine de voir régulièrement des bâtiments qui sont complètement explosés ou qui partent en feu. Et du coup, quand je vois un lieu comme celui-là, bah, j'ai vraiment envie de donner aucun indice, vraiment même le plus minime. Donc pas de localisation ou d'histoire, de date sur le lieu, parce que j'ai vraiment pas envie qu'il y en ait qui s'amuse à trouver ce lieu et puis à venir le décapiter. Je vous laisse sur ce magnifique petit piano. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et de vous abonner si c'est pas fait. En tout cas, je vous dis à bientôt pour la nouvelle prochaine exploration. Salut à tous!